Donc salut à tous, j'espère déjà que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année pour 2014 pour vous tous. Donc première sortie pour moi de cette année 2014 avec un endroit que je connais. J'étais venu à mes débuts de prospection quand à l'époque j'avais encore mon garrette. Donc c'est les collines. Donc voilà, c'est ce qu'il y a derrière moi. Beaucoup de monnaies gauloises à l'époque, j'espère en faire quelques-unes aujourd'hui. Donc voilà le chemin que j'avais fait à l'époque. Je vais retenter aujourd'hui de repasser dessus, puis de remonter un peu plus haut quoi. Voilà. Bon ben je rallume prochaine cible, prochaine trouvaille. Plus je redescendais le chemin là, j'avais un bon son, malheureusement je suis allé un peu fort peut-être là sur ce coup là il y a une sacrée pierre là, faut dire. Bon ben voilà, j'ai plus qu'à redescendre récupérer une nouvelle pioche. Bon ben on saura pas ce qu'il y a là dessous. Les amis, on va se quitter, on va regarder le résultat ensemble. Bon, au final j'ai arrêté, je me sentais pas de remonter jusqu'en haut, donc je me suis arrêté. Alors les trouvailles, bon ben 2 euros, une 10 centimes d'autres anciens francs, un plomb de sac, 2 boutons pourris, et puis la boursée de
la boursette gauloise qui devrait être bien là, logiquement. Et puis peut-être ces fibules. Ah, donc avis aux connaisseurs, hein, s'il y a possibilité de me renseigner, de me confirmer si c'est bien des fibules ou non. Voilà, il y a ça et puis il y a ces deux-là, mais bon. Alors après, ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a une plus grosse que l'autre, quoi. Donc je sais pas. Ok, à voir. Oula. Bon, ben voilà. Bon, ben on se quitte sur ces collines qui, à mon avis, regorgent encore de belles trouvailles pour les futures sorties. Allez, bonne détection à tous. Ciao.